Comme vous l'aurez compris, il s'agit vraiment d'une première et elle vous est présentée en exclusivité. Cette performance a été conçue pour vous, a été conçue à l'occasion de cette inauguration. Elle représente cette trace que nous voulons commencer à amorcer ce soir. Cette trace, pour moi, que vous avez vue, c'est d'abord le travail, c'est d'abord l'excellence. Elle représente ces deux grandes qualités que nous promouvons sur le campus. Et ce sont le travail, l'excellence d'une personne, d'une danseuse, d'une deuxième personne, la personne qui nous a produit cet effet sonore fascinant. Mais cette trace, c'est également le fruit d'une collaboration. C'est d'abord une personne qui a composé cette musique, qui nous revient du Japon, qui travaille aujourd'hui dans le cadre de l'HEM. C'est le fruit de l'imagination d'une designer, d'une jeune designer qui est parmi nous. C'est le travail d'une start-up issue de l'EPFL GateUp, qui a dessiné, qui a conçu ce petit appareil qui, comme vous l'avez vu, se trouvait sur le pied de la danseuse et qui a monitoré ses mouvements en trois dimensions. C'est pour moi la dimension entrepreneuriale, c'est la dimension collaborative, c'est la dimension d'ouverture et d'intégration de Campus Biotech. Cette trace que vous avez vue, c'est finalement le fruit d'une collaboration réussie entre des personnes, mais surtout entre des institutions. Je pense au laboratoire Flux, je pense à la fondation Fluxum, dont l'âme est Cynthia Audier, et une collaboration qui s'est prolongée avec la Haute École de Musique, dont le directeur est Monsieur Dinkel. Je les invite tous à me rejoindre sur scène pour que nous puissions les applaudir. En effet, ce troisième axe correspond pour moi à cette dimension collaborative que nous prouvons dans le cadre de Campus Biotech. Je vous laisse monter sur scène. Et nous pouvons tous les applaudir.